reborn. Bonjour les reborn, bienvenue. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu vous protège. J'ai vu des choses hier. J'ai vu des gens se chercher. Et de cette quête de bonheur, beaucoup sont morts sur le chemin. On parle de la mer Méditerranée. On parle de la Méditerranée. On parle aussi du désert. On parle des gens qui doivent effectuer des traversées pas possibles pour pouvoir arriver dans un pays où coule le lait et le miel. En fait, c'est ce qu'ils pensent. Chaque Africain qui traverse la souffrance cherche à s'en sortir. Et pour pouvoir s'en sortir, on se dit que c'est de l'autre côté de l'eau que se trouve notre bonheur. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et on est prêt à réunir nos courages, même notre dernier jeton, pour pouvoir effectuer des voyages, passer par des chemins détournés, afin de pouvoir atterrir dans le pays où on nous dit que là-bas, quand vous atterrissez là-bas, c'est vrai, c'est un peu dur au départ, mais après, ça va. Si c'est un réussi, vous pouvez le faire. Malheureusement, sur ce chemin-là, il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de personnes qui tombent. J'ai vu des gens souffrir. De la souffrance à la mort. Quand j'ai vu ces choses, je me suis dit vraiment, que vais-je faire? Après avoir vu ces choses, je me suis endormi. Quand je me suis endormi, j'ai vu vraiment beaucoup de mauvaises choses en rapport avec ça. Tellement ça m'avait choqué. Voir des gens mourir sur l'eau. Parce qu'ils cherchent à s'en sortir de la vie. Ils cherchent à réussir et aider leurs parents au pays. Pour moi, ça m'a choqué. Hier, ça m'a vraiment choqué. J'ai regardé toutes ces choses, je me retrouve en songe et voici que je me retrouve moi-même face à une situation. Dans cette situation, moi aussi, je cherchais le moyen de réussir. Et voici que Dieu m'a montré une porte, un travail. Ce travail-là, quand tu le fais, tu ramasses petit, mais devant là, il y a beaucoup de bonheur qui arrive. Il y a beaucoup de bonnes choses devant. Mais il faut être vraiment persévérant. Et il faut être courageux. Il faut avoir la foi. De la manière dont la Bible dit que le juste vivra par la foi. Il faut avoir toutes ces choses. Si tu veux vraiment voir clair dans les bonnes choses que Dieu t'a dit, qui se trouvent dans ce travail qu'il t'a donné. Et c'était ce qu'on me disait. C'était ce qu'on me disait dans ce songe-là. Je disais, mais waouh, c'est assez compliqué. Le travail de Dieu, si tu n'es pas vraiment patient, si tu es envieux, vraiment, tu ne pourras pas faire ce travail. Parce que quand tu regarderas à gauche et à droite les gens qui évoluent, tu vas te dire, mais non, c'est pas possible, c'est dur. Il faut que tu cherches un autre moyen pour pouvoir m'en sortir. Alors que le chemin là, c'est ce chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque individu sur cette terre-là, Dieu a déjà prévu quelque chose pour lui. Ça veut dire, toi, il y a un job que toi, tu as prévu à ta naissance que tu puisses faire. Et c'est dans ça-là, tu vas t'en sortir. Au départ-là, tu vas sentir que tu fais beaucoup d'efforts. Mais à un moment donné, quand le temps de Dieu va venir, Dieu lui-même va venir faire en sorte que tout roule propre et simplement pour toi. Parce que c'est son temps aussi qui est venu. Maintenant,
L'homme doit trouver ce job-là. L'homme doit trouver ce travail. Comment vas-tu faire pour trouver ce travail maintenant là? C'est là qu'est le problème. Les étudiants vont à l'école, après avoir fini des études, ils sont coincés. Il y a des gens qui ont fait des études pour devenir des docteurs, mais ils sont devenus des musiciens. Et ils ont l'impression que ils sont plus forts en étant musicien que en étant docteur, alors qu'ils ont duré à l'école en apprenant ça. Qu'est-ce qui est dans ça? Vous voyez que l'homme fait beaucoup de choses pour rien. L'homme fait beaucoup de choses pour rien. C'est pourquoi moi, je fais des vidéos pour vous dire que vraiment, c'est pas de la blague. Hein. Sur cette terre-là, il faut s'accrocher à Dieu. Il faut vraiment s'accrocher à Dieu pour ne pas perdre du temps inutilement. Faut pas perdre du temps dans les choses qui ne vont pas t'arranger demain. Il faut chercher Dieu. Et puis quand on te dit qu'il faut chercher Dieu, ce n'est pas une histoire de dire tu vas aller voir quelqu'un et puis la personne va t'aider à trouver Dieu. Toi-même là, tu dois vraiment rentrer en prière. Quand tu te lèves le matin et puis tu vois le soleil, quand tu vois le ciel, il faut dire Dieu, regarde, voici ma vie. On dit que c'est toi qui as créé toutes ces choses dont tu peux m'entendre. Écoute-moi, regarde, tu veux m'en sortir. Qu'est-ce que je dois faire? Quel est le chemin? Montre-moi le chemin. Et donne-moi la confirmation que c'est le bon chemin. Parce que je ne veux pas mourir dans le désert. Je ne veux pas mourir sur un chemin autre que le chemin que toi, tu as prévu pour moi. Avant de vous lancer. Moi, quand je recherchais, je vois que quand je cherchais mes trucs, je vois que Dieu me disait des choses. Il me disait, ah, va déposer tes dossiers là où il n'y a que des blancs qui y travaillent. Dieu me disait, va déposer tes dossiers là où il n'y a que des gens, des blancs qui y travaillent. Et moi, je cherchais. Je cherchais dans des peut-être là où il y a des blancs qui y travaillent seulement. Aujourd'hui, regardez où je suis. Je travaille les anges de Dieu. C'est pas facile, hein? Les anges de Dieu sont des blancs, hein? Vous ne pouvez pas bien blanc. On est là, on parle, on sauve des âmes, on réagit, on conseille les gens. Même je souhaite vous conseiller. Frère, ça, si vous cherchez à réussir dans la vie, vraiment, c'est un seul chemin. Vous pouvez faire beaucoup de choses, mais une seule chose va vous conduire là où vous devez être. Il y a plein de joueurs de football, il y a plein de joueurs de football que vous voyez là, qui ont fait de longues études. Mais c'est dans le football qu'ils ont percé. Ça veut dire que tu peux faire beaucoup de choses sur la terre sans que ce soit réellement ça qui te permet de percer. Elle dit que là, nous devons vraiment faire le bon combat, travailler le bon boulot. Nous ne devons pas être perdus. J'ai vu trop de gens souffrir dans le désert. Trop de gens souffrir de la chaleur. Parce que ces gens-là voulaient traverser la Méditerranée. Ces gens-là voulaient traverser l'eau. Aller de l'autre côté et dans les conditions où ils devaient traverser l'eau. Les bateaux étaient remplis de personnes, ça vomissait. Ça vomissait partout. Tu ne peux pas rester là-bas pendant 2 jours, mais certains sont restés pendant 3 jours, même 4 jours. Dans le vomissement, dans les déchets, dans les histoires. Et ils ont payé des centaines d'euros. Chacun paye 1 400 dollars, genre 1 000 euros, pour pouvoir aller dans un endroit où. Ils espèrent qu'il y aura le bonheur là-bas. Et là encore, c'est là le danger. Sur le chemin là-bas, où ils vont là, il y a les policiers qui les attendent là-bas en bateau, en hélicoptère. Et ils s'attendent exactement à ce que ces gens-là arrivent. Et qu'ils puissent encore les prendre pour les jeter dans un endroit, dans un autre endroit. Dieu sait ce qui se passe. Il y avait un groupe là. Ils étaient sur un bateau.
Dès que tu vas au milieu de l'eau, là, voici la police qui est là-bas. Les bateaux sont venus les entourer. Qu'est-ce que ces gens ont fait? Ces gens de la police là, ont enlevé les moteurs de leurs bateaux. Maintenant, il fallait les voir en train d'être seuls, au milieu de nulle part, sur l'eau. Et ils sont en train de pleurer, l'eau en train de rentrer dans le bateau. Hein? Vous n'imaginez pas ce que les gens traversent. Et j'ai regardé que vraiment, il y a beaucoup au final qui n'ont pas atteint ce qu'ils devaient atteindre. Je ne sais pas si les gens refusaient de nous montrer des gens qui ont traversé l'eau et qui ont réussi. Mais ça aussi, je ne vais pas vous empêcher de le faire parce que si c'est votre chemin, si c'est le chemin par lequel vous devez passer et puis réussir et que votre bonheur se trouve là-bas, il suffit seulement que Dieu vous donne la confirmation seulement. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Dieu vous donne la confirmation. Que vous priez, ayez la foi et restez concentré. Quand vous priez là, restez concentré. Dieu va vous donner un message, vous présenter des signes incontestables qui vont vous prouver que c'est le moment de vous lancer avant de prendre la route pour l'eau. Sinon, ne le faites pas. Moi, si Dieu me donne la confirmation tout de suite, il me fout, il saute dans l'eau, il gagne temps. Mais il m'a déjà positionné sur mon chemin. Le travail avance et je continue d'avancer sur le chemin, même si c'est dur, même si je tombe malade souvent, même si je suis attaqué par le diable lui-même. C'est mon chemin. Je vous assure. Et je travaille à côté. Je fais beaucoup de choses à côté. Parce que mes deux mains doivent travailler. Ça veut dire que l'homme doit toujours être en train de bouger. Vous voyez ça? Cherchez à savoir ce que Dieu vous réserve dans l'avenir d'abord. Avant de vous lancer dans une quelconque quête. Ne vous levez pas comme ça. Pour dire que comme tout le monde va porter le bateau pour aller, vous allez aussi aller. Non, il faut vraiment demander l'accord de Dieu. L'accord de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Parce que vous ne faudrez pas arriver au milieu du désert, vous allez dire, ah, qui m'envoie ici? Qui m'envoie ici même? Où je vais? Quel chat? C'est pas blanc, hein? Parce que j'ai vu la souffrance là-bas. J'ai vu les gens mourir. Je vous assure. J'ai vu des choses. Certains même sont capturés par des bandits et on les torture. Vraiment, c'est terrible. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues hier et que je vous raconte comme ça en prenant les éléments par-ci et par-là. Mais la vie est dure. Les gens cherchent à réussir, mais ils sont morts sur ce chemin. Le chemin du bonheur. Mes frères et sœurs, que Dieu vous aide à avoir la paix de votre vie. Que Dieu vous aide à trouver ce qui est bon. 2022, que 2022 soit l'année où vous allez trouver ce qui va changer votre vie. Que toutes les portes qui sont fermées soient ouvertes. S'il y a des sorciers qui sont assis sur les richesses du pays, au nom de Dieu, aujourd'hui, là, Dieu, faut amener les sorciers là-bas, nous on jobé, nous on travaillé, nous on va devenir riches, on va vivre paisiblement. La vie devient chère, tout augmente, la souffrance du peuple devient grave, partout dans le monde c'est compliqué. C'est très très compliqué. Que devons-nous faire? Nous devons prier, nous asseoir et réfléchir aussi, et puis voir comment faire pour nous en sortir. En attendant, faisons des petits jobs, gardons un peu d'argent et réfléchissons sur comment nous allons faire. Que Dieu nous guide jusqu'à trouver ce qu'il faut pour nos générations à venir, pour nos futurs enfants, même nos petits-enfants. Que Dieu vous garde et que vous guide. Waouh, merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo, c'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un virement bancaire pour soutenir Union Scoreboard, dans la description se trouve un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Union Scoreboard 3.
Agrégation Sorbonne, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Union Sorbonne 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.